Pendant le mois sacré du Ramadan, la principale préoccupation de tout sportif est comment concilier le jeûne et la pratique sportive. Dans les états-majors des structures sportives, la question se pose également. Ici, dans cette salle de gym, Ramadan oblige. Les responsables décident de réduire les heures d'entraînement. On va estimer que pendant ce mois de Ramadan, les gens ne peuvent pas garder le même rythme de travail. C'est pourquoi nous avons décidé de réduire nos heures de travail. C'est bien possible, le sport et le jeûne, c'est bien possible, mais pas avec la même intensité. Donc nous cherchons à convaincre nos clients, même s'ils ne travaillent pas avec le même rythme, pas avec la même intensité, mais qu'ils peuvent quand même faire le minimum pour au moins garder la forme pendant ce mois de Ramadan. Les responsables de cette salle de gym ont aussi pris l'initiative d'accorder des séances d'entraînement supplémentaires à leurs clients qui ne pourront pas être présents à l'entraînement pendant ce Ramadan. Nous avons conçu un programme que nous leur avons distribué deux semaines avant le Ramadan pour leur expliquer, même s'ils ne venaient pas à la salle, mais ils pouvaient vraiment utiliser ce programme à la maison pour ne pas mettre toute la forme qu'ils ont déjà eue, pour ne pas remettre le compteur à zéro. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas à la salle qu'ils ne vont pas rester à la maison ou sans ne rien faire. Donc, nous avons conçu ce programme, nous avons demandé vraiment de faire le maximum pour le suivre. Ce n'est pas compliqué, c'est juste 20 minutes d'entraînement et c'est vraiment suffisant. Bien avant le mois de Ramadan, une semaine avant le mois de Ramadan, nous avons des clients qui sont passés nous voir. On dit vraiment qu'ils ne pourront pas tenir pendant ce mois de Ramadan, qu'ils préfèrent attendre après le Ramadan ou reprendre le sport. C'est pourquoi nous avons décidé, après une assemblée, de réduire les heures de travail. Dans les académies de football, le constat est le même. Au centre de formation de Matoto, à cause du Ramadan, le temps d'entraînement est aussi revu à la baisse. Notre académie fonctionne pendant le Ramadan. Nous travaillons de 15h à 18h avec le Ramadan. Et vu la démotivation des jeunes, il y a un manque d'engouement et de motivation. On a réduit les heures. On a fait une heure de temps de travail. Avec l'entente, bien sûr, du staff et moi, nous avons réduit 16 heures de travail. Pour ce responsable de l'académie, ce planning d'entraînement ficelé ne leur est favorable. Réduire les séances d'entraînement au moment où les jeunes sont en jambes est un handicap. Ce n'est pas avantageux, mais nous allons essayer de maintenir ici le rythme, la forme, le rythme des jeunes pour ne pas qu'ils diminuent en capacité. C'est ça, c'est qu'on va essayer de faire. Bien sûr, ils sont tous d'accord, même le staff, on s'est vu, il y a eu une réunion, une assise, on s'est compris et on a jugé nécessaire de diminuer les heures. Je ne peux pas dire que c'est avantageux, parce que vous-même, vous savez que quand on diminue les heures d'entraînement, qu'est-ce que ça va donner. Mais quand même, on est obligé, parce que 80% des jeunes ici sont des musulmans. Chez certains clubs de basket, des programmes d'entraînement sont concoctés. Pendant cette période d'exception, le Dixin Basket Association a arrêté les entraînements collectifs. Mais individuellement, les joueurs s'exercent. Pendant le Ramadan, on arrête la compétition jusqu'après le Ramadan. Voyez, donc les joueurs s'entraînent individuellement pendant le Ramadan. Et moi, je parle des entraînements individuels ou bien des petits matchs amicaux qu'on fait entre nous. Et il y a même des petits tournois qu'on organise pendant le Ramadan. Moi, je pense que c'est une question d'habitude. Si tu es habitué à le faire, et je pense que ça va aller. «
C'est donc après le mois du Ramadan que les choses sérieuses vont reprendre convenablement dans les structures sportives. Nice, nice. Whoa. Yes. Whoa.